Je vous propose qu'on modifie... Bim! Et paf! Ça fait des chocs à pique. Merci, hein! Ah, ça fait du bien d'être de retour. Petra. Ça fait un moment que je ne t'avais pas croisé, Petra. Quel choc que ça m'a fait de voir ton visage collé sur un monstre. Ah, au fait, Petra. Je suis venu avec quelqu'un qui voulait te parler. Ok. On aura des infos sur l'avatar du pire alors? Ah, un avatar du pire, En y repensant, j'ai vu quelque chose qui pourrait y ressembler. Une silhouette sombre et menaçante qui volait tout là-haut. Ça correspondait à ce que vous cherchiez? À votre avis, vers où se dirigeait-elle? Si mes souvenirs ne me trompent pas... J'ai aussi vu une tour géante dans le ciel, et la silhouette doit disparu non loin de cette tour. La tour est par là-bas. Où ça, là-bas? Ah! La tour Graticello. D'accord. Merci, on vous donne une fière chandelle. À votre service! Ok. Agrippez-vous à Dominique et volez vers la tour Graticello. Pourquoi le dragon il s'appelle Dominique? Allez, go! Oh, j'ai peur. Oula, attends, c'est une porte fermée, ça, que je vois, là. Nous y voilà enfin, la tour Graticello. L'avatar du pire Grandalf doit être à l'intérieur. Mais... Ah, putain, je savais. Faut que je batte... Faut que je vainc 4 monstres, je crois. 4 trous. Pff. Il faut encore courir partout pour trouver de joyaux. C'est reparti pour un tour. Oh putain, sérieux. Raté, c'est une réplique de Gollum. Ah pardon. Nous l'avons volé! Nous avons volé notre prison! Ah, mon prison! Comme! Comme! Je ne peux pas, mon prison! Rendez-le moi! Je suis un peu fatigué, donc c'est un peu rouillé, mais ça va. Enfin! On a trouvé tous les joyaux! Hip hip hurra! On peut aller à la tour Garticello! Ceci dit, est-ce que c'est vraiment une bonne idée? Allez, courage! Allons-y! Re, Tommy, je suis sur PC, ça marche, Rin, re! On a rassemblé tous les joyaux de la tour Graticello! Ouais, on a les joyaux pour les yeux, le nez et la bouche! Avec ça, on va pouvoir jouer à dessiner des visages! On devrait pas jouer avec des artefacts aussi précieux. Mais si on s'en servait pour jouer aux billes, plutôt? Belle imitation, merci Rex! J'invoque le poulpe. Eh, toujours pas. Il apparaît pas. Non, vous allez les casser! Ou alors on pourrait faire des ricochets avec. Ça suffit! On plaisante. On te fait marcher, Tommy Chaz. C'est trop facile et trop drôle aussi. Allez, c'est parti! Fêtons la prise prochaine de la tour Graticello! Santé! Mais je peux pas farmer encore l'XP, Sanger? Ou je suis obligé d'aller direct à la tour? Parce que là, c'est la merde un peu, là, si je vais maintenant au boss. Ah! Nous avons tous les joyaux de la tour Graticello! Plaît-il? Ça va nous permettre d'entrer dans la tour! Et par la même occasion... Nous allons pouvoir nous débarrasser de l'avatar du pire Grandalf.
Pardonnez-moi, j'ai une question au sujet de Gandalf. N'avez-vous pas dit qu'il est votre ami? Si, si. Pensez-vous vraiment être capable d'affronter votre ami? Bah oui alors. Je vois. L'avatar du pire n'est pas vraiment Gandalf. Nous n'avons pas le choix. Je vois que votre décision est ferme. C'est ça. Dans ce cas, je vais vous déposer. Merci. Bonne chance, Tommy Chaz. C'est la merde, je crois que j'aurais dû dire non en fait. J'aurais dû dire non pour dire « Faut que je me prépare encore, c'est pas le moment !» Ça y est, on a les 4 joyaux. Mission accomplie! Insère les joyaux dans les trous et... La porte est déverrouillée. Ta-da! Fidèle camarade, en avant! Tour Graticello. Putain, c'est beau. Alors, attends. Cette voix, c'est celle de l'avatar du pire, Gandalf! Tiens, 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 ça faisait longtemps. Une petite visite, quelle charmante attention. Puisque vous avez fait l'effort de venir jusqu'ici, voyons ce que vous valez vraiment. Ah. Oh, j'ai failli oublier de vous prévenir. J'ai invoqué des vieilles connaissances pour vous tenir compagnie. J'espère que ce retrouvailles vous réjouiront. Il est parti. Bon, allons-y. Des vieilles connaissances, ça sent les vieux boss, ça encore. Allez, let's go, on avance. Elle est jolie, Pika, maintenant. What? C'est qui, ça? C'est étrange, on dirait... Tout va bien? Bah, tu vois bien que non, il a plus de visage! Oh! L'avatar de pire! Mais il a plus de visage non plus. Oula. Oh, putain! C'est le visage d'Aku? Ah, au secours! Oh putain, attends, c'est un clone de l'avatar du pire? Fantôme d'Aku. C'est le fantôme, en fait, de l'avatar du pire. On est retourné sur l'avatar du pire qu'on avait avant, les gars. Nouvelle technique. Courroux floral. Oh, tempête de feu! Oh la vache! Oh, Pika, elle a fait un truc de fou, là. Je sais pas ce que c'est, mais c'est trop bien. Pika, je te mets à l'abri. Ah, d'accord. Je comprends mieux pourquoi. Et en fait, il va faire des multi-attaques. Yes, on a rebattu Aku. Merci. Au revoir Aku. Ah mais Aku, il a ce corps-là, je me souvenais plus. Mon visage, il est revenu. Ah, quelle horrible sensation. Dites, vous vous souvenez de moi? Bah bien sûr. Oh, vous êtes l'avatar du mal? Exactement, enfin... À présent, je suis plus qu'un simple mortel. Je ne suis plus qu'un simple mortel. En battant l'avatar du mal, vous m'avez libéré. Enfin, vous m'avez libéré de l'emprise de cet esprit maléfique. L'avatar du mal a semé un tel chaos. Mais je n'ai jamais voulu faire tout cela. Vous devez me croire. Au fait, vous allez affronter l'avatar du pire. Et comment? Je voudrais me racheter pour mes actions en tant qu'avatar du mal. S'il vous plaît, je peux vous accompagner? Ouais. Merci, vous ne le regrettez pas. Allons-y. L'ex-avatar du mal, Aku, a rejoint votre équipe. L'ex-avatar du mal, j'adore le statut. Je n'arrive pas à y croire. Croire à quoi? Que j'étais l'avatar du mal. Et que... Que j'ai pu faire autant de mal à tous ces pauvres gens. Vous ne vous en souvenez pas?
Vaguement, peut-être. Mais je n'avais aucun contrôle sur mes actions. J'étais un simple spectateur de ces terribles méfaits. C'est de terrible de vivre ça de l'intérieur. Ah. Oh putain. Oh, il y a Garfield. Le roi Garfield et la princesse Burger. Qu'est-ce qu'ils foutent là? Cela ne peut-il pas attendre la fin du repas? Quelle indélicatesse! Oh pétard. On a le roi et la princesse qui sont là. Gold Metal Garfield. Et le gorille doré hamburger. Oh putain, double boss. Ça va être drôle. Non mais ils se protègent aussi eux. Bah oui, c'est le roi et la princesse. C'est logique. Yes, on a eu la princesse. Yes, allez, c'est bon. Oh putain, j'ai eu peur. Sommes-nous en vie? Oh merci, merci mille fois. Ouf. Nous avons encore récupéré notre royale physionomie. N'est-ce pas merveilleux, père? C'est la deuxième fois que vous sauvez notre royale personne. Veuillez accepter notre royale gratitude. Maudit soit ce satané avatar du mal. Ou bien faut-il dire avatar du pire désormais? Quoi qu'il en soit, la lutte n'est pas encore terminée. Mais si quelqu'un peut en venir à bout, c'est vous. Bonne chance. Yom 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 yom. Bonne route. A few moments later. Ah, c'est l'heure du boss. Oh putain, Carlo. Le génie Carlo. Oh putain, il devait être mis sur quoi là? Une sorte d'éléphant géant? Oh, le pharaon. Ah bah c'est un pharaon version 2.0. Oh pétard. Et là, je contrôle pas ce que vous faites, hein. Comment vas-tu, mon petit Kikujap? T'en as deux pharaons, maintenant. Je suis un pharaon. Et le pharaon a été déchu. Waf, waf, waf. Putain, il y a les deux autres en mode pharaon. Hop là. Waf, waf, waf. Pourquoi est-ce que ça m'arrive toujours à moi, mon pauvre visage? Sois maudit, avatar du pire! Faut que vous alliez régler son compte à ce gredin une bonne fois pour toutes. Ne croyez pas que je suis redevenu méchant, hein? Faites attention à vous. Vous pouvez me raconter comment vous êtes devenu l'avatar du mal? C'est une triste histoire. Je travaillais tranquille dans une usine de bananes PV. Des bananes PV. Par régime entier, toute la journée. Je me demandais si j'allais devoir faire ça toute ma vie. Suis-je vraiment heureux et épanoui dans cette vie? Voilà ce que je me disais. Et un jour que cette question me flottait dans la tête, j'ai entendu une voix. Elle me dit, tu as soif de pouvoir, je te donnerai le pouvoir. Je ferai de toi la personne la plus puissante du royaume. Cette voix avait une incroyable force de persuasion. J'ai cédé et j'ai perdu le contrôle. Un voile noir s'est abattu sur moi et a envahi mon âme. J'étais possédé par cet être maléfique. Il m'a volé mon corps et m'a transformé en avatar du mal. Hé, vous m'écoutez? Oui, oui, j'écoute. Quelle histoire affreuse. Bref, l'esprit maléfique a changé de cible désormais. Il a frappé le grand sage Grandalf. Mon mentor. Oh non, pas le grand sage. A few moments later. Oh bordel, il y a un boss. Non, Freezer, Cell et Goku, qu'est-ce qui leur arrive? Oh mon dieu. Oh mon dieu. Le trio infernal. Oh mon dieu, ils vont nous refaire une danse. Ah. Oh mon dieu. Quoi encore? Tiens donc. Oh non. Oh putain, triple boss les gars.
Et en plus, il a l'air dégueulassement érotique. Tétard, Goku. Oh putain. Crapou. Cell. Et Tétard Freezer. Oh, le Tétard Freezer, on dirait qu'il... Mais les Tétards, on dirait qu'ils sont en train de crever, regarde. Regarde les Tétards. Ils ont les yeux révulsés, on dirait qu'ils sont en train de crever. C'est dégueulasse. Oh, DJ Boucherie. On est où? Ouh, esquive. Nouvelle technique. Aspiration de vie. Ouh. Oh, pétard. Trop bien, ils volent la vie des gens. Ah. 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 Pardon. Mais non, si, si, ça existe. Je te jure, Okoto, ça existe. Karakomo, pardon. Non, non, je te jure, Karakomo, ouais, ça existe, ce genre de truc. Bravo! Merci, maîtrisard. Oh yeah. Allez, on a sauvé nos trois comparses. Pouf. Quel soulagement. Ouf. L'avatar du mal a su bien profiter de cette situation. Grandalf, l'avatar du pire, ça s'annonce mal. En tout cas, avatar du mal ou du pire, c'est un casse-pied. Nous espérons que vous serez à la hauteur. Attention à vous, nous vous attendrons au Havre des Elfes. Surtout, n'allez pas perdre, ou vous auriez affaire à moi. J'arrive pas à faire la voix de sel. Je pense qu'on y est, ouais. L'avatar du mal a forcé des monstres à bâtir cette tour. Pour pouvoir regarder l'humanité de haut depuis les cieux. Depuis les cieux? Oui. Tout là-haut, dans un endroit appelé l'Outre-mer. Je parie que c'est là que vous trouverez l'avatar du pire. Et pour vous y rendre, suivez ce chemin. Dans ce cas, allons-y. Il vient pas, lui. En fait, je ne peux pas venir avec vous. Cet endroit est maudit. Aucun humain normal ne pourrait y survivre bien longtemps. Continuez sans moi. Je ne voudrais pas vous retarder. Oh, dans ce cas, bon courage et merci pour tout. Non, merci à vous. Je vous en prie, débarrassez-nous de l'avatar du pire. L'ex-avatar du mal a quitté votre équipe. Très bien. Donc en gros, on va changer de zone, si j'ai bien compris.